Et oui, c'était un panneau caché. Grosse tête du bonhomme. Oh non. Alors, il y a du canon, il y a de l'étoile. Grosse tête du bonhomme. Il y a une étoile là-bas, là. Petit panneau. Tournez autour de certains ennemis. Ouais, tournez de l'œil. C'est un niveau dangereux, ça, de mémoire. Il n'y a pas d'histoire de on peut vraiment tomber dans le vide, mais il est quand même dangereux. Parce qu'il fait froid. Et qu'il y a ça. Alors, j'allais sortir du niveau. Caméra. Ah, il y a une pièce. Ah non, mais c'est pas une pièce, c'est lui là. Un troll. Une grenouille troll. Deux. Et elle est où la troisième? Elle est là. Ok. Non, lui on touche pas. On a dit lui on touche pas. L'étoile elle est là, il faudra la faire fondre. À feu de doux pendant 45 minutes. Là je vais rire, ça risque d'être comique, oui en effet. Oh non, vous êtes sérieux? Vous êtes pas gentil. Il y a la pièce rouge là-bas. Voilà, là l'eau faut pas y aller là, c'est de l'eau glacée qui fait bobo. Eh, j'ai des restes hein, quand même. Bon ok oui, je vais en chier, mais j'ai des restes. J'ai galéré. Il y a lui là-bas au milieu, je sais qu'il nous donne une étoile. Là va falloir y aller avec une carapace ou quelque chose comme ça. Ah, oh, encore lui? Ah oui, la carapace, c'est ça. Non, non ça, c'est juste une vie. Là, il y a une histoire de vague. Oh, la pièce rouge qui est en face, je l'ai vue. Pour l'attraper, ça va être chiant. Montagne de bonhomme de neige, danger, ne pas tenter le triple saut au-dessus de la machine à cracher des glaçons. Tomber dans le lac gelé vous fera vite perdre de l'énergie de façon permanente. Attention, le bonhomme de neige. Oh d'accord, faut sauter sur les deux là. Pouf. Je dis pouf. Non, hop, je vole pas. Ok, donc on peut pas les tuer comme on veut. Vite par contre parce que je vais mourir. Voilà. Un. Il y a une pente avec des pièces. Allez! Je vais crever sur ça. Hop. Une histoire de vent quelque part aussi. Attendez. Il y a un pingouin. Il y a un fichu pingouin, sérieusement. Sérieusement. Ah non, mais je crois qu'il va nous aider. Il va nous être utile, lui. Parce que c'est là. Là, il va souffler. Mais je sais plus... Qui va là, qui me grimpe dessus, une mouche, un moustique, un cafard, t'as intérêt à dégager, sinon je te souffle dessus. Voilà, j'ai raté.
Oh ma casquette. On retient, souffler, ça fait enlever la casquette. Ça fait combien de temps que tu l'as pas fait le jeu? Euh, 16 ans, 17 ans. Je l'avais fait en 97, 98 quasiment à la sortie. Je l'avais refait un peu plus tard. Et depuis, j'avais plus touché. Eh oui, l'eau ça brûle. Tout le monde est au courant que de ça. L'eau ça brûle. Grosse tête du bonhomme. Voilà, ça c'est fait. Comme ça, lui, on n'en parle plus, c'est fait. Voilà, c'était la deuxième étoile. Bon, maintenant, il faut monter. Il faut monter. J'ai eu peur quand même, elle était facile à avoir là. Non mais... Mince. Mets-toi en face, Mario. Il glisse. Allez. Allez. Oh, oh. Danger. Oh, j'y étais. On a besoin de pièces. Et moi, madame. Voilà. Et tu restes là. Merci. Bien. La petite pièce. Et là, il faut attendre.
Il recule. Et moi je tombe. Il a fait marche arrière. Bien, alors on se reconcentre. Il faut pas lui passer devant, c'est pour ça qu'il recule. Il me semblait pas que j'étais passé devant, j'ai pas fait exprès dans ce cas. Saute Mario, s'il te plaît, fais quelque chose. Il souffle au milieu. Non, j'y étais. Pas un moyen plus rapide en dehors des speedrunners, on sait bien. Je pense qu'il y a un moyen plus rapide de le faire. Ok. Allez, on repart sur les Jeux Olympiques là. Allez! Bon, ok. Hop, hop, hop! Il y a l'autre là qui va nous troll. Un. Ça va pas. Ça va pas du tout. Oh, il me fait tomber. Je cherche l'astuce, hein. Non, j'y étais.
Allez. Tout doucement, tout tranquillement. Voilà. Épisode 3. Pingouin. On va l'attendre. Hein. Ça souffle bien en centre. Peut-être qu'avec un triple saut, ça pourrait passer. Mais bon, je vais pas le tenter. Hein. Je vais tomber de toute façon. Reviens là. Non, j'en ai marre. Attends, ne me dis pas que la cascade est au-dessus du caillou là. Mais non. Sérieux? Bon, ça va. Ah bah attends. Je peux tomber là? Étoile? Ah bah voilà, étoile gratuite. Écoutez, tant qu'à faire. Voilà. C'était pas volontaire. Cette étoile-là n'était pas du tout volontaire, mais bon. Bon, voilà. Elle est gratuite. Écoutez, hein. On retourne voir notre cher pingouin avec le triple saut. Ah, mais sérieux, tu peux pas t'accrocher au bord là? Bon, bah, je vais mourir sur ça. C'est la mort! Sérieusement. J'ai un poil de répit. J'ai pas bougé. Yeah.
Hop là. Aussi. Oh, ça passe. Je crois que j'ai trouvé une technique. Bon, je suis pas sûr de réussir à l'appliquer à chaque fois, mais on va tenter le pingouin. Épisode 5. Ça passe ! Non ! Rester jusqu'au bout avec le pingouin en fait. Parce que le souffle te troll. Se demander comment le pingouin est monté là quand même. Est-ce que le pingouin a aussi fait du triple saut? Je pense pas. J'y étais, allez. Salut Pierre 827. Est-ce qu'on va réussir cette fois? Ça, c'est une bonne question. Allez. Je vais finir par vraiment m'inscrire à l'athlétisme. Hein. Ok. Ça fait trois fois que le triple saut là, ça va à peu près. C'est pas parfait, mais ça va. Le pingouin, c'est une autre affaire. Est-ce que ça va? Oui. Ça pourrait aller mieux, hein. J'essaye tant bien que mal de franchir ce passage, mais bon. On se fait troll. Thank you.
Yes, 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 yes. Mais maintenant, faut faire quoi? Ok. Pas d'erreur. L'étoile est là, pas d'erreur. Yes. Bon, j'espère qu'on aura pu à monter dessus, hein. La vrille... Vrille depuis le lac. Vrille? Pourquoi vrille? Qu'est-ce que c'est qui vrille? C'est la, une histoire de carapace. Ça, depuis quand il y a un truc électrique en bas? Je l'avais pas vu tout à l'heure. Vrille depuis le lac. Le lac, c'est quoi? C'est cet petit étang, là? Petit étang. C'est à... Ou bien... Est-ce... Ça. Ah non, vrille. Vrille, je sais ce que c'est, vrille. Vrille, c'est... Si j'y arrive. Viens là. Voilà, c'est ça, vrille, c'est ça. Ok, d'accord, j'ai compris. Alors, par contre, faut réussir, ça c'est autre chose. Je l'ai tué comme ça. Je pensais que ça allait faire la vrille sur lui. Faut passer de l'autre côté, en fait. Faut vraiment passer de l'autre côté. Il n'y a pas un moyen. Ouais, il m'attaque en plus. Espèce de troll. Ouais, il y a quelque chose de l'autre côté. Je pense que je me suis totalement foiré, mais... Mais il y a de l'idée. En tout cas, il y a de l'idée. Hop là. Les bonnes pièces. Merci. On passerait pas là-haut, là. Non. Non, 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 ça va trop vite. Et non, ça glisse. Et oui. Et oui, ça glisse. C'est pas ça. Alors, tour d'horizon. Faut bien passer au-dessus. Il y a combien d'étoiles? Dans le jeu au total, il y a 120 étoiles. Dans chaque monde, il y a 6 étoiles plus une étoile bonus quand tu récupères 100 pièces. Donc en gros, il y a 7 étoiles par monde. Et après, il y a des étoiles secrètes par-ci, par-là. Il y a une dizaine d'étoiles secrètes. Et sachant que sur la version, ça c'est Mario 64 de la compilation sur la Switch, donc vraiment entre guillemets le remake classique qu'il y avait sur la Nintendo 64. Il y a eu un Mario 64 DS, et là c'était pas 120 étoiles mais 150. Avec plus d'étoiles secrètes. Bon, comment je fais pour accéder de l'autre côté? Je vais faire le grand tour, mais sinon je pense qu'il va falloir réinitialiser le niveau. Et toi, tu dois très bien servir à quelque chose. Oui, bonhomme de neige, je sais. Bon, je sais pas. Là, ça va souffler, non? C'est bon? Je pense qu'il faut passer de ce côté-là. Attends. Attendez, attendez. Peut-être une idée. Une idée comme de ce genre-là. Ah, bon. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. On vient là. On vient par là. Tape-moi. Voilà, comme ça. Tac. Et là. Mur. Non. Bon. Je pense qu'il y a un truc à faire là.
C'est le même monstre que... Attends, hop, voilà. C'est le même monstre que dans Odyssée, il est censé te faire gagner beaucoup de pièces. Ah oui! Maintenant que tu le dis! Mais je sais pas comment on fait. Bon, c'est pour les pièces. Non, Mario! Bon, c'est pas grave. Ok, un coup de poing et il donne 5 pièces. La cinquième. La cinquième a disparu. Ok, c'est pas grave. Il faut que je passe de l'autre côté du lac. Oh, tu me fais souffler. Juste un courant d'air. Salut. Ah tiens, masque. Et ouais. Et là, je suis bloqué en fait. Je vais être obligé de quitter le niveau et de revenir dedans. Mais vu que les choses sont dans l'eau, comment est-ce que je vais faire pour rebondir correctement dessus? Ça, je sais pas. Et là-bas, ça a l'air d'être le mur que je parlais tout à l'heure. Hein, où je voulais passer au-dessus. Il y a un truc à faire aussi là-bas. Merci Pierre pour le follow. J'avais pas vu, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. Tac, tac, tac. Ou alors j'y vais un triple saut. Ouais, mais non, mais même un triple saut, ça passera jamais. 1, 2, 3. Je sais pas. Non, ça passe pas. Là, il y a une pente là aussi avec une barrière. Peut-être au cas où si on tombe du pont du saut. Je pense qu'il faut réunir le niveau là. Vraiment. Hein. Alors, faut passer au-dessus là. Non, ça. C'est forcément. C'est la vrille, c'est forcément avec les fleurs. Et oui, c'est ça. Là-bas, il y a le truc avec l'étoile. Attends, attendez. Ah, allez. Non. Ah, j'ai tenté quelque chose. Il y avait de l'idée. Bon, je vais mourir sur ça, mais... J'ai tenté, c'est pas passé. Mais il y a de l'idée. Vrille depuis le lac. Et ouais, c'est de l'autre côté, là, hein. Pas utiliser ça, se rapprocher encore, bien là, bien, approcher au maximum, encore, maintenant,
Et là tu passes. Là tu passes. Allez Mario. Allez non, il veut pas. Hein. Hop hop hop. Viens là. Viens, suis-moi toi. Viens, encore. Ah non, elle veut pas. Allez. Et non. Faut faire le tour. Il y a 4-5 pièces rouges qui sont faciles à avoir, mais il y en a d'autres. Attends. C'est une double. J'ai failli faire une bêtise. J'ai failli faire une bêtise. Non. Et non. Elle est dans le mur là, elle est totalement dans le mur. Je vois pas comment les faire monter en fait. Oh! Donc en fait, si on peut sauter dessus dans l'eau. Ah, dommage. Approche-toi. Encore. Bon, elle m'a tué. J'y vais, à demain si tu stream. Non, non, je streamerai pas demain. Faudra avoir la notif. Merci pour le soutien, en tout cas, Warner, c'est cool. Ah, raté. Non, je l'ai tué. Alors, rapproche-toi, madame. Elle veut pas. Non. C'est la mort. Ah, c'est rude, 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 hein. Mamma mia. Re-ando. Je sais pas comment faire. Je vois ce qu'il faut faire, mais je sais pas comment le faire. Te laisser en vie, tu restes en vie. Mario, tu remontes, s'il te plaît. Ah voilà, toi. Voilà. Oui.
Yes, yeah, ça passe. Ah, par contre, on va falloir la voir cette pièce par la suite. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le panneau? Parce qu'il y a deux caisses. Si vous sautez sur une carapace brillante, vous pourrez aller n'importe où et détruire vos ennemis. Ok, donc ça c'est l'étoile. Et ça c'est la carapace. Elle est tellement dure à avoir. Et je suppose qu'il y a une pièce là-bas. Il y a deux pièces là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au niveau de l'eau qui tue. Et la huitième, je l'ai oubliée. Bon, étoile. Et voilà, carapace. Faut faire les 100 pièces là en même temps. Il y a bien deux pièces rouges en bas là-bas. Je les ai vues. Elle va les avoir. Enfin. Là, il faut. Ah, t'es obligé d'avoir la carapace. Là. C'est pas possible autrement. Oh non. J'espère que si on peut tuer les bonhommes de neige, c'est des pièces bleues. Parce que là, le compteur pièces ne monte pas. Du tout. Mais genre pas du tout quoi. Et oh, c'est la fête hein. Renino, presque 100 étoiles, ouais. Et là, faut pas se planter. Là, faut vraiment pas se planter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça en vie. Je vais tenter d'aller chercher les pièces qu'il y a au-dessus. Ah non. 1, 2, 3. Yes. On prend les pièces qu'il y a au-dessus. Comme ça, au moins, on n'en parle pas. Il n'y en a pas énormément, mais bon. Déjà qu'il y a... Le niveau est pas grand, hein. Le niveau est vraiment pas grand. Il y a... Et c'est tout, en fait. Là-bas, il y a deux pièces. Il n'y avait que deux pièces. Bon. C'est le moment de sortir les carapaces. Enfin, la carapace, du coup. Et mince, faut tout refaire. Ah. Où suis-je? Ok. Ah bah tiens, je t'avais pas vu toi tout à l'heure. J'ai la pièce, j'ai eu la pièce. Yeah.
ça c'est la chose qui est là. Il y a de la neige. Et là faut pas se foirer quoi. Mishkling. Caméra, caméra, caméra. Faut sauter les pièces. Et là. Là comment qu'on fait là? Déjà toi. Voilà. On se parle. Allez. Excuse-moi parce que je vais mourir en fait. Donc j'ai besoin de toi. Maintenant. Maintenant. Vite. Maintenant. Non. Je suis bloqué du coup. Du coup je suis bloqué. Il doit y avoir forcément une astuce pour passer. Attends, il y a un bout de machin là-bas. Pourquoi il y a ça là ? C'est un TP ? Non ? Et non, c'est même pas un TP. Hein. Ça sert à rien. Je suis bloqué. Et ça va par pop. Bah non, ça c'est sûr et certain. Par la pente sur le côté déjà tenté tout à l'heure, c'est ça glisse beaucoup, 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 beaucoup. J'ai même essayé de troll en... depuis le départ de passer par le mur au-dessus pour retomber de l'autre côté parce que c'est possible, mais j'y arrive pas. Baignade déconseillée, trop froid. C'est pas la même eau ça. Ça c'est pas la même eau. Ah d'accord. C'est juste parce que je peux marcher dessus. L'autre non, mais elle oui. Ça je savais pas. Un passage carapace quoi. Et les trucs repop pas. Comment je vais faire? Eh la pente. Après faut tomber pile. On va essayer de retenter. Mais... Oh, bah attends. Ah, survie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est pas grave. C'est la mort. Bon, on repart sur du petit farming de pièces. Je suis sûr qu'on peut y arriver par là. Salut. Pas assez. Ça doit être possible. Parce que c'est juste derrière. Hein. C'est vraiment juste derrière. C'est pas très legit. C'est vrai. Je sais plus comment je t'ai tué. Toi. C'est pas grave. Ça, c'est pas la plus désagréable des musiques de Mario quand même. Ah.
Là où l'autre pièce, il y en avait 3, ça va. Oh non. Hop. On va attraper ça là, ça sera cool. Ouais, en fait c'est hyper chaud d'avoir les 100 pièces dans ce niveau, je m'en rends compte. Ah ah ah. Oh yes. On est passé. Bon, maintenant faut pas se planter. Alors là-bas c'était l'étoile, là c'est la carapace. Là faut surtout pas se planter. Mais c'était censé tuer les ennemis. Lui c'est un ennemi. Et ouais, c'est les deux dernières sous le lac gelé de la mort qui tue. Oh. Et ouais, ça repop pas. Ça ne repop pas. Donc là, à part jouer avec le feu de l'eau qui brûle, parce que c'est le cas de dire. Ok. Toi t'es sage. On va repasser par le côté là-bas. Attention. Aïe aïe aïe, danger. Là il y a danger. Là il y a gros danger là. Est-ce qu'il me reste pas une vrille, quelque chose comme ça pour les pièces là? Ouais, à toi. Bon, je vais en avoir que. Deux. Et mince. Je vais mourir. Comment je vais les attraper celles-là maintenant que j'ai plus de pièces pour me régénérer? Ça c'est pas une pièce, c'est quelque chose là que j'arrive pas à tuer. Wow, il m'a fait peur lui. Là il y a un petit sapin. C'est un cadeau pour moi. Là, faut bien viser, quoi. C'est ça le truc. Faut vraiment bien viser. Mais même en bien, en visant bien, c'est pas possible. Bon, on va tenter. Voilà. Ça marche pas.
Hegel. Bon, pareillement, les 100 pièces, je vais réfléchir plus tard parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il me manque des pièces. Donc, je sais pas trop. Donc, une, deux, trois. Ici. Quatre. Et là, faut pas que je me plante. Premier coup, bordel. Du premier coup. Donc là, on se plante pas. Hein. Ok, étoile. Quelque chose. Oh, c'est pas grave, je peux plus rien tuer, mais c'est pas grave. On s'en fout, on va chercher l'étoile. Et vite. Vite, vite, vite. Voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. Ça, on n'en parle plus. Étoile. Dans l'igloo. Parce que vous aviez vu un igloo, vous ? C'est ça l'igloo ? Ça, c'est pas un igloo, ça. Ça, c'est un glaçon. Est-ce que vous avez vu un igloo ? Attendez. C'est en haut. C'est en haut. GG, merci. Et ouais, c'est en haut. Maintenant, il faut plus que le machin souffle. Si ça souffle, je suis dans la panade. Il y a le pingouin. On l'entend. Il souffle pas. Et qui va là, me grimpe dessus, une mouche, un moustique, un cafard, t'as intérêt à dégager, sinon je souffle. Et mince. Bon, faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Ça passe ? Ça passe, au premier coup. Tout à l'heure, j'ai galéré. Est-ce que l'igloo est par là ? Est-ce que vous voyez un igloo ? Il y a un sapin au-dessus. Pas ça. Bah mince alors. Il est où ce fichu igloo ? C'est pas Captain Igloo, hein. Mais...
Là-bas, il y a bien un canon, mais le canon, il est fermé. Vu qu'on a... Ok. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais ok. Casquette. Merci. J'ai pas compris pourquoi on était bien sur le truc de bois. Bon, alors, igloo. Bob Ambrose. C'est la dernière étoile du monde. On n'a croisé aucun Bob-omb. Ni rose, ni noir, ni violet. Où est ce fichu igloo? Au seul endroit où tu vas jamais. Il y a un endroit où je vais jamais. Je réfléchis. Il y a bien une pente là, mais... Ça doit être ça. Alors pour y accéder. Alors déjà pour y accéder, ça serait mieux de pas se planter. Allez, non. Oh non. Mario, fais pas de conneries. Hein. Il y a un endroit où je vais. L'igloo, il est là. Alors, pour y accéder... Je l'ai vu, hein, du coup. Attendez... Je passe derrière ça. Ok, donc je suis obligé de repasser par le pont, en fait. Je n'ai point le choix. Grimper la pente avec la carapace. Il y aura beaucoup de carapaces. Le fail du coup. Stop, on ne bouge plus. On ne bouge plus. Pas besoin de carapace. Pas besoin de carapace. Enfin, là, le truc accroupi sert à quelque chose. Bon, alors. L'étoile, elle est là. Elle est bloquée dans un glaçon. Il va falloir la casquette, c'est ça. Il va y avoir une histoire de casquette bleue. Oh oui. Il va y avoir une histoire de casquette bleue. Maintenant je comprends mieux les samples. Oh tiens, Bob-omb. Il est là. Mais je comprends mieux les 100 pièces maintenant, vu tout ce qu'il y a là.
la casquette elle est là, elle est jolie. C'est un labyrinthe des glaces. Aïe. Attendez, il y a une caisse là et il y en avait une deuxième, je crois. Voilà, elle est là. Une pièce. Une vie. Mais du coup, c'est pas ça que je cherche. Enfin, si, bon, oui, mais. De tourner là, je regarde s'il n'y avait pas d'autre chose. C'est tout? Il n'y avait que 5 pièces? Non. Eh ben, c'était pas très utile. Bon, on va retourner voir la casquette. Qui était. Je sais pas là. Ça, c'est l'étoile. Donc, vos bombes. Sur le chemin d'étoile. Bobon est à gauche, la casquette est à droite, là-bas, elle est là. Non. Voilà. Ici, voilà, c'est bon. On y arrive. Allez, on va chercher l'étoile. C'est exactement ça, vous avez raison sur le chat, c'est exactement ça, je pensais la même chose. 101 étoiles. Et j'ai fait les deux mondes que je voulais faire aujourd'hui. Vraiment. Et il me reste... Oh putain, pardon, excusez-moi. Ah oui, il me reste du temps en fait. Alors, 12 étoiles secrètes, île grand petit, trotte montagne, trempé séché, chez le roi des neiges. Alors je sais qu'il y a un niveau...
ça va être une horreur. Mais vraiment. Là, je me balade juste. Oh tiens, voilà qui. Bon, maintenant, faut monter. Il y a un truc qu'on peut faire. Ça, c'est l'entrée. On va monter. Il y a un truc qu'on peut faire. Grâce à la puissance des étoiles, la porte s'ouvre doucement. Il est où? Il est où? Il est là. Je crois que c'est lui. C'est le meilleur ami à Yakipon. Grosse horloge étrange, fais attention à la position de l'aiguille. Excusez-moi. En fait, je regarde. Voilà. Je me souviens de ça. Il y a les étoiles de puissance. Alors, là... Attendez, je veux pas dire de bêtises. 13, voilà. Il reste deux mondes. Plus Bowser, forcément. Il reste l'horloge tiki-tiki-tiki-tac, l'écolégramme. Il y a deux trucs dans les cheminées. Il y a un monde dans une cheminée et un monde dans l'autre. Non, attendez, il y a encore une étoile secrète, en fait. Et ça, c'est l'accès au Bowser. Ça, c'est l'accès final. On va pas le faire maintenant, forcément. Donc là, je vous demanderai pour la suite, pas maintenant, hein, de choisir entre l'horloge tic-tac et la course arc-en-ciel. Mais... faut que je me souvienne... Il y a un passage secret. Faut que je me souvienne comment y accéder. Je crois qu'il y a encore une étoile secrète, c'est ça le truc. Attendez, il y a 120 étoiles. Il reste deux mondes. Il faut compter 14 étoiles de plus. Ça fait 116. Il me manque 4 étoiles. Les pièces rouges de Bowser, 117. Il manquera 3 étoiles. Attendez. Pièces rouges... mince. 100 étoiles des deux mondes d'aujourd'hui, on est à 119. Donc il manque une étoile. Et je crois qu'elle est là. J'en suis pas sûr, mais je le crois. Qu'est-ce que c'est? Prends soin de toi. Étirer. Oh, mais je m'étire petit à petit, vous inquiétez pas. Fais une pause. Non, mais je vais... En fait, c'est que je vais clore dans pas longtemps, donc je vais pas faire une pause. Je sais à peu près ce qu'il reste à faire. Et si je me lance sur un monde maintenant, c'est les mondes les plus difficiles. Et j'en ai pour un moment. C'est pour ça que je préfère les garder pour la suite. Mais je veux vérifier avant quelle est la cheminée. Mince, je me suis trompé, c'était pas ça. C'était l'autre côté. Alors, je réfléchis pas. On quitte. C'était l'autre. C'était l'autre cheminée. Escalier. Ouais, c'est là. Ah, raté. Voilà. Voilà. Oh, ok, mince, je m'en souviens. C'est ça, là, la 120e étoile. Je peux faire ça pour terminer. Je peux faire ça. Je pense que ça va pas durer trop longtemps. 1, 2, 3. C'est les. Il y a que 8 pièces rouges là-dedans. Enfin, 8. Faut les avoir. Il y en a une dans le nuage là. Là, c'est mon départ. 1, 2, 3. Faut aller dans le canon. Mais avant d'aller dans le canon. Faut trouver Webo Bomb. 1, 2, 3. Il est là. On l'a vu. Je
Ouh, c'est pas passé loin. 2, et 2. Eh ben, parle. Ok. Tous les canons de ce petit monde. Raté. Fallait que j'aille de l'autre côté. Fallait que j'aille là. Ah ah ah. C'est bon. Canon. Non, ça passera pas. Il y en a combien? 3. Il en manque 5. Où est-ce qu'elles sont? 1, 2, 3. Oh, raté, j'aurais dû faire Odéo. Ok. 4. Il va falloir descendre sur le canon d'en bas là. 1, 2, 3. Pourquoi il y a une perche là? Ah, c'est pour une vie. C'est pour ça de prix, hein. Celle du nuage là-haut. On va remonter sur le canon là-bas. Ok. Ah oui, il y a celle-là là-bas aussi. Non! Oh! Ok. On est à 5. Alors, le nuage transparent, il est là-bas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Doucement. Doucement, 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 doucement. C'est pas lui, c'était l'autre. Mince. C'est... Ah, il est au-dessus. Faut que je repasse par le canon. 2, 3. Raté. Oh, oh, oh. Un petit tour avec prudence, caméra. Ah, ça a frôlé. On l'a frôlé. Canon, 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 canon. Doucement. Non, on l'aura pas. Ah. Je suis perdu dans les pièces qui... 5. Il y en a une au-dessus, mais j'ai besoin du canon. 1, 2, 3. Non!
Surtout, remettez-moi bien au fond du château, quoi. Ne me remettez pas dans la cheminée, quoi. Ah là 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 là. J'espère que les canons sont ouverts du coup qu'il faut pas les réouvrir. Oui c'est bon. Mais sérieux, je vise à côté. C'est même pas drôle. Peut-être un ordre à suivre en suivant les arcs-en-ciel en fait. Oui. Oh non. Ralenti Mario, il va trop vite. Hey, il a pris le turbo, c'est un Concorde.
Bon, je fais un... Ouais, je pense que je fais un dernier essai. Sinon, ça sera en off. C'est pas passé loin. Un, deux. Deux fois. D'accord. Il y a une pièce là-dedans, je crois. Je crois qu'il y a une pièce là-dedans, ou une vie ou un truc comme ça. C'était une vie. Bon, au moins, on a réussi à passer. Canon. Absolument que j'aille au canon là-bas. Ok. Sur la gauche. Ah, il est là-bas. Non, j'ai raté. Bon, on va tenter le nuage. Doucement, doucement. Oui, yes, c'est bien. Alors les perches. Ah, il y a au-dessus des perches aussi. Il y a au-dessus des perches et il m'en manque une. Un, deux, trois. Donc il me faut un joli canon en hauteur. Qui se trouve... Bah là. Oh, j'ai visé le canon, j'ai pas fait exprès. Les perches, les perches, les perches, les perches. Là-haut. Ah, les deux, elles sont là. Les deux sont là. 7. Faut pas que je me plante maintenant. Et 8. Ok, j'ai vu. Je l'ai.
Voilà! Une bonne chose de faite. Bon, alors. Il me reste à faire les deux étoiles de 100 pièces des deux mondes qu'on a fait aujourd'hui. Ça sera en off, hein. Et ensuite, deux mondes complets. L'horloge tic-tac et la course arc-en-ciel qui est affreuse. La course arc-en-ciel, elle est vraiment affreuse. Ça, c'est une horreur. Donc, réfléchissez. Horloge tic-tac, course arc-en-ciel. Commencez à anticiper. Et après, il nous restera Bowser et les pièces rouges de Bowser. Sachant qu'il faudra faire les 100 pièces, si possible, en live la prochaine fois. Sinon, il va nous en manquer. Une petite blague avant de se quitter. Petite blague avant de se quitter. Je réfléchis, hein, vite fait. Que dit un informaticien quand il s'ennuie? Eh bien, il se fichier. Fichier. Informaticien. Voilà. Bref. Suivez Yvassand un peu partout sur les réseaux, sur Discord et compagnie.